Ce que c'est l'âme. Je demande au curé, mon père, c'est quoi l'âme, mon enfant? L'âme, ce n'est pas facile à expliquer aux enfants. C'est quelque chose qui existe, qu'on ne voit pas, qui monte au ciel quand on est vieux, si on a été bien sage. Je réfléchis. Je me dis, quelque chose qui existe, qu'on ne voit pas, qui monte au ciel quand on est vieux, si on a été bien sage. Je réfléchis. Je demande au curé. Mon père, c'est une devinette. Non, mon enfant, c'est l'âme. Je ne savais pas ce que c'est l'âme. Je ne savais pas non plus si tout le monde a une âme. Je demande au curé. Mon père, est-ce que tout le monde a une âme? Bien sûr, mon enfant, tout le monde a une âme. Pourquoi tout le monde ne redit pas une âme, mon enfant? Mon père, est-ce que le boucher a une âme? Bien sûr, mon enfant, le boucher a une âme. Pourquoi le boucher n'aurait-il pas une âme, mon enfant? Mon père, est-ce que le garde-champêtre a une âme? Bien sûr, mon enfant, le garde-champêtre a une âme. Pourquoi le garde-champêtre n'aurait-il pas une âme, mon enfant? Mon père, la grand-mère de Marcel a aussi une âme? Bien sûr, mon enfant. Pourquoi la grand-mère de Marcel n'aurait-elle pas une âme, mon enfant? Tout le monde a une âme. J'étais content. Je me dis, puisque tout le monde a une âme, les cochons d'Inde du bouchon ont une âme aussi.
en ruine, des morts partout. Puis, un grand oiseau qui s'envole dans une lumière. Je voyais les fonds marins. C'était trop beau. J'ai un compagnon de terrier blotti contre moi. Et on regarde par l'ouverture de notre abri les étoiles. Le ciel aurait-il fait cet amas de merveilles pour la demeure ainsi?